Jean-Yves Touillet, vous vous présentez en tête Tobrouk de Peyre dans l'étape du GNT de Nantes ce mercredi. Un Tobrouk de Peyre qui a plutôt eu un bon comportement dernièrement sur la petite piste. Oui, le cheval court bien. Hein, il parcourt la corde, mais il est battu pour finir. Mais le cheval a bien couru, il a bien comporté. Il avait couru une fois sur la petite piste. Mais non, le cheval était bien. Ça correspond à peu près au travail qu'il fait. Alors donc, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de courir à Nantes. Bon, ça fait un petit mois qu'il n'a pas couru. Oui, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Oh non, au contraire, le cheval est mieux comme ça. C'est un vieux cheval, hein, il a besoin de se rafraîchir un peu. Mais non, non, c'est bien. C'est pas important. L'hippodrome de Nantes lui a convenu par le passé. Il a déjà pris deux troisième places, pardon. Oui, 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 il a toujours bien couru à Nantes. Oui, oui, pas toujours des parcours heureux, mais toujours bien couru. Il fait bien les 3000 mètres. Ouais. Bon, dernièrement, vous aviez des étrangers à affronter. Cette fois-ci, c'est que des Français dans le GNT, comme d'habitude. Mais comment vous voyez les choses avec sa situation au premier poteau? Bon, au premier poteau, il n'y a pas de problème. S'il y avait que le premier poteau, ça serait pas mal. Mais bon, on a quand même des chevaux de valeur au deuxième poteau, quand même. Hein. Au troisième, je ne sais pas si ça va courir, mais au deuxième poteau, on a quand même des bons chevaux. Bon, a priori, Bugsy Malone devrait être éliminé selon toute vraisemblance, ce qui va peut-être ouvrir un petit peu la course, pour les autres oui, en tout cas. Oui, parce que je ne voulais pas en parler, mais c'est quand même la prochaine, donc s'il va être éliminé, c'est peut-être un peu plus facile. Enfin bon, on n'a pas, je vais vous dire personnellement, bon, c'est un avant, presque 10 ans, il n'a pas la première chance, mais il peut être dans les 400 premiers. Hein. On voit. Le choix est bien, il va être déféré de devant. Bon, c'est un choix qui est assez sûr. Voilà, hein. On n'a pas la première chance, mais il peut le figurer. On le voit plutôt peut-être davantage en fin de combinaison que sur le podium, si on peut établir un pronostic avant coup. Oui, tout à fait. Bon, il y a quand même des bons choix. Hein. Il va être avec une autre catégorie, mais bon, comme on n'a pas trop le choix des courses. Après, il va y avoir une course à Vincennes, quelques heures, peut-être un peu meilleure. Mais donc, non, le cheval est parfait. On repart tout doucement. C'est un vieux cheval. Bon, c'est sûr que les jeunes,